Merci. Ouais. Yes. Alors, bonjour mes amis. Alors, comment on va faire là? Là, on va couper les micros ici. Et voilà, tout va bien. Et ici, hop là, c'est bon. Voilà, inspirez, expirez. Le temps de bien inspirer par le nez, expirer par le nez ou par la bouche. Allongez votre colonne. Ça va, Monique? Bloqué sur l'image. Dernière fois. Et puis vous allez inspirer, monter les bras. Expirez, relâchez les bras par le devant. Faites glisser les bras par le côté. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez les bras par le devant. Glissez les bras par le côté en inspirant et en montant les bras. Expirez. Glissez, inspirez. Et restez expirez, étirez le côté gauche. Maître, inspirez ton chat Françoise. Inspirez. Et expirez, étirez le côté droit. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez devant. Respirez bien, faites glisser sur le côté, inspirez, montez les bras. Expirez, pivotez à droite en descendant vos bras. Inspirez, montez les bras. Expirez, pivotez à gauche. Inspirez. Expirez, relâchez les bras par le devant. Inspirez, revenez, montez les bras. Expirez, étirez côté gauche. Inspirez, montez, grandissez bien votre colonne. Cherchez à sentir l'appui des ischios au sol. Expirez et étirez à droite. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez debout. Faites glisser les bras par le côté. Inspirez, montez les bras. Expirez, pivotez vers la droite. Inspirez, montez. Expirez, pivotez vers la gauche. Inspirez, montez. Expirez, relâchez vos bras devant, posez les mains au sol, récupérez. Déroulez tout doucement votre dos sur le tapis et passez sur le côté pour étirer l'avant de la cuisse gauche. Puis vous attrapez votre genou, vous roulez de l'autre côté. C'est moins agréable aujourd'hui chez moi parce qu'il y a beaucoup plus de circulation due à l'inondation du rond-point et de la reprise des activités. Je changerai de lieu. Revenez au lieu. Attrapez soit le pied droit, soit la cheville droite, comme vous voulez. Et puis vous inspirez, vous soufflez, vous étirez la jambe. En même temps, vous redressez votre dos, mais sans trop forcer, juste un peu, légèrement. Inspirez, fléchissez. Si ça se tend, ça se tend. Si ça ne se tend pas, ce n'est pas grave. Soufflez. Et j'expire. Dernière fois, juste un peu de mobilité.
Réfléchissez, posez votre pied au sol. Ouvrez le genou, changez de côté. Soit vous attrapez la cheville, soit le pied. Inspirez, expirez, tirez. Inspirez, réfléchissez. Expirez, tirez. Bien par le nez, j'expire. Une fois. Et j'expire. Et puis, vous relâchez. Posez les pieds au sol. Refermez vos jambes. Venez vous installer sur le dos, sur le tapis. À plat dos. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Les genoux larges dans le bassin. Les pieds posés au sol, mais allégés. Cherchez à bien sentir vos poumons se gonfler et se dégonfler à l'expiration en serrant vraiment bien périnéement. Allégez vos pieds à l'expiration. J'expire, j'allège mes pieds et je sens mon sacrum s'ancrer dans le sol. Allégez vos jambes. Et puis, vous allez inspirer, montez les bras vers le ciel, les paumes de main se regardent. Expirez, décollez une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspirez, et puis expirez, allongez votre jambe droite, gauche. En ancrant bien le bassin dans le sol, en serrant, j'expire, je reviens. Et j'expire, j'allonge la jambe gauche. Je contracte, périnée ventre. Attention, le sacrum est bien ancré dans le sol et bien posé. Et puis, je continue. Alors, voilà, je le souffle, je serre périnée-ventre. J'engage vraiment périnée-ventre. J'inspire mon ombré quand j'allonge. Et j'inspire, je reviens. Et puis, j'expire l'autre jambe. Et puis, si c'est possible, je vais rajouter le bras droit, la jambe droite, légèrement vers l'arrière. Éloigné. J'éloigne mon bras de ma jambe. J'inspire, je ramène. Puis je fais l'autre. J'inspire, je ramène. Pas trop loin le bras derrière. J'expire. J'engage et j'inspire. Dernière fois. Là, vous restez. Et on va faire les deux en même temps. J'expire, j'allonge si c'est possible. Sinon, on continue une jambe après l'autre. Et j'inspire. J'expire. Ça vient périnée-ventre et j'inspire. J'engage quand j'allonge. J'engage le périnée, j'engage le ventre, j'inspire mon nombril. Voilà. Et j'inspire. Je gonfle bien mes poumons à l'inspiration. Dernière fois. Et vous revenez. Posez les mains au sol. Posez le pied gauche. Allongez la jambe droite. Et puis là, vous allez inspirer sur un rond. Soufflez sur l'autre. En faisant attention à ce que le bassin ne bouge pas. Ça ne danse pas. Le sacrum reste ancré dans le sol. Posez. Ramenez le menton vers le sternum. Et vous faites des ronds. Alors, soit vous gardez la jambe au sol fléchie en faisant attention que votre genou du sol il va pas à droite, à gauche pour compenser. Parce que sinon, ça fait ça et effectivement, le sacrum il reste bien posé au sol. Je garde ma jambe gauche fixe. Le genou reste aligné avec mon bassin. Et puis, peut-être, vous pouvez faire la même chose avec la jambe gauche tendue, la jambe gauche ancrée dans le sol. Les orteils du pied gauche vers le sol. Vous voyez, c'est possible ou c'est pas possible. Jambe fléchie, je contrôle mon genou, je contrôle ma jambe ou jambe tendue et je contrôle ma jambe également. Je tire sur un rond, je souffle sur l'autre.
Je relâche les épaules. Le menton vers le cerveau. Voilà, c'est ça. Épaules tendues, même peut-être paume de main vers le ciel. Vraiment tendu du haut du corps. Et puis, vous fléchissez le genou. Vous ramenez le genou gauche. Montez les bras vers le ciel. Et là, vous reprenez. Je souffle, j'éloigne. Jambe gauche et bras gauche. J'inspire, je reviens. Et puis, je change. Et j'inspire, je reviens. Contrôle, hein. J'aspire le nombril. Hein. Je serre périnée ventre, je ne lâche pas. Hein. J'inspire pas trop vite. Voilà, j'inspire, je souffle, et je contrôle, et je contracte. Les cinq petits talons soufflent. Garde le bras fixe, Françoise. Enlève, ouais, celui-là, oui. Juste, il va derrière, l'autre. Et puis, il revient. Dernière fois. Et puis, on va reprendre les deux jambes en même temps. Je souffle, j'allonge, je contracte le périnée ventre. Les bras soit vers le ciel, soit vers l'arrière. J'inspire, je reviens. Voilà, j'expire. Éloignez pas trop loin. Je sens bien le gainage au niveau des abdos du transverse. Dernière fois. Revenez, ramenez les bras le long du corps, posez le pied droit, allongez la jambe gauche. Le genou droit aligné avec le bassin, et là vous faites des ronds avec votre jambe gauche. J'inspire sur un rond, je souffle sur l'autre. La jambe droite, soit elle est posée au sol, le genou reste fixe, le genou droit ne bouge pas, je le garde bien dans l'axe de ma hanche droite, ou j'allonge ma jambe droite. Et j'ancre bien mon bassin dans le sol, les paumes de main vers le sol, ou vers le ciel, ça permet de mieux détendre les épaules et de mieux positionner les omoplates. Continuez avec la respiration. J'inspire et j'expire. Le bassin bien ancré dans le sol. Le périnée est serré. Mmh. Ah oui, je n'ai pas mis mes lunettes. Ça va, Véronique? Continuez. Attends. Je vais te remettre le micro. Bouge pas. Et puis, Véronique a un problème. Je vais lui remettre le micro. S'il veut, on a pareil. Fléchissez le genou. Posez les deux pieds au sol et vous faites. Où est-ce qu'elle est, Véronique, ici? Et vous faites. Oh, mais il ne veut pas. Oh, si. Tu peux parler, Véronique. Et vous faites le shoulder bridge. Les deux pieds posés au sol. Les deux pieds à plat. Inspirez, soufflez, plaquez le bas du dos au sol. Poussez le bassin vers le ciel. Inspirez. Tu peux parler, Véronique. Je t'ai remis le micro. Et expirez, déroulez votre dos. Mais non, je ne dois même pas avoir d'image. Continuez. Véronique, tu m'entends? Véronique? Non, elle n'entend pas non plus. Véronique? Nous, on te voit. Je t'entends, oui, oui. Moi, je ne t'entends pas. Bien. T'as quoi comme souci? J'ai plus d'image. C'est pas grave, je vais t'écouter. Il okay. Faut que je me rallonge. Oui, allonge-toi, je vais expliquer. Ok. Bon, je te regarde et je vais comprendre si tu comprends pas. ça va m'entraîner à faire des efforts. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, bouge pas. Les pieds à plat. Tu inspires, tu souffles, tu plaques le bas du dos au sol et tu montes le bassin vers le ciel. Comme on fait des fois, tu sais. Voilà, je plaque le bas du dos, je pousse le bassin vers le ciel, j'inspire par le surmont. Et puis j'expire, je déroule mon dos sur le tapis. 1, 2, 3. Et puis, vous allez rester en haut, le bassin vers le ciel. Voilà. Les bras le long du corps, vous allez inspirer, amener le bras droit vers l'arrière, à côté de l'oreille, et souffler, ramener le bras vers le sol, avec le bassin qui reste en l'air, les fessiers contractés. Le périnée, le ventre reste serré. J'inspire, j'amène le bras gauche vers l'arrière, c'est ça Véronique. Et puis j'expire, je ramène le bras droit vers le bras gauche vers l'arrière. Je garde le périnée, ventre serré. Et je pousse pour être sur le haut de mes omoplates. Voilà. Inspire. Et j'expire. Lâchez pas la contraction des fessiers. Derrière le bras, à côté de l'oreille. Je la fais glisser vers l'arrière et je le ramène. Le long du corps, je pose au sol. Gardez de belles poussées de vos pieds sur le sol pour faire la même chose avec les deux bras. J'inspire. J'inspire. Je garde la contraction du périnée, du ventre, des fessiers. J'inspire. Dernière fois. Ramenez les bras le long du corps. Inspirez, expirez. Déroulez tout doucement votre dos sur le tapis. Bien les lombaires avant le bassin. Et puis, ramenez les genoux vers la poitrine. Pressez les genoux contre la poitrine. Roulez un peu à droite, à gauche pour masser le dos. Et puis, vous allez rouler sur un côté pour venir vous asseoir sur le tapis. Venez vous asseoir sur le tapis, au bord du tapis. Les jambes allongées devant, le tapis derrière vous. C'est ça, on va rouler. Fléchissez les genoux. Attrapez vos chevilles. Regardez le nombril, posez les orteils au sol, décollez vos pieds et roulez vers l'arrière. Je souffle, je roule vers l'arrière, j'inspire, je reviens devant. Je regarde mon nombril, même quand je suis derrière. Monique, reste à l'équilibre. Tu as encore reçu ton... Ouais, je le dis, ça fait mal. Donc, reste à l'équilibre. Voilà. Oups. Cherchez bien à sentir le dos roulé sur le tapis pour masser votre dos. Dernière fois, et puis vous revenez vous asseoir. Allongez vos jambes devant, les bras tendus, le dos droit. Jambes tendues, assises, le dos droit, les bras devant. On va juste rouler, inspirer, souffler, dérouler votre dos sur le tapis. Déroulez le dos sur le tapis, inspirez, montez les bras vers le ciel. Et puis expirez, serrez périnée, ventre, remontez. Montez les bras vers le ciel, étirez, cambrez dans le bas du dos, c'est ça Véro. Et puis vous inspirez, vous inspirez, vous expirez, vous déroulez tout doucement votre dos sur le tapis. Ouais, parfait, c'est ça. Continue, déroule sur le tapis. Étirez, étirez, montez les bras, voilà. Les bras quand vous êtes en haut, près des oreilles. Impeccable.
continuer. Encore un peu, expirez. Dernière fois. Et puis, vous restez assise. Relâchez vos bras. Passez sur le côté, sur le coude et sur les genoux, sur le côté, quand on fait la taille vers nous. Je passe sur mon coude, les genoux fléchis, la main sur la hanche. Ici, vous redressez bien votre colonne, vous inspirez et vous expirez, vous décollez le bassin, allongez le bras et la jambe. Je décolle mon bassin, j'allonge ma jambe sur le côté, j'allonge mon bras vers l'oreille. Voilà, c'est celui-là. Et puis, je reviens, j'inspire. Je repousse sur le sol. Alors, écoutez bien, je repousse sur le sol avec ma main, avec mon bras. Avec la main de la jambe de dessus, je monte le bras vers le ciel pour venir étirer la taille. Je m'assois sur les fesses. Je viens étirer ma taille. Voilà. Et puis, vous revenez, vous inspirez. Vous venez poser votre coude au sol, la main sur la couture du pantalon. Et vous soufflez. À nouveau, vous décollez votre bassin, vous allongez la jambe et vous amenez le bras à côté de l'oreille. Et puis, vous inspirez, vous posez le bassin, vous ramenez le bras sur votre jambe et vous venez étirer la taille en vous approchant de votre tibia. Et puis, vous repartez. Votre, vous inspirez, vous posez votre coude, vous positionnez, vous expirez, vous décollez. Puis vous inspirez, vous posez le bassin, retenez la descente, expirez, étirez. Inspirez, posez le coude, retenez, expirez, étirez. Inspirez, expirez. Inspirez dans le mouvement, posez le coude, expirez, étirez, montez, pardon. Voilà, parfait. Dernière fois, expirez, étirez, restez dans l'étirement. Et puis vous relâchez, vous revenez. On va passer sur les avant-bras, sur les coudes, pour faire du gainage. Sur les coudes, redressez votre buste, allongez la nuque, serrez le périnée, serrez le ventre, allongez. Inspirez par le nez, expirez par le nez ou par la bouche. Restez sur les genoux ou sur les orteils. Ça, c'est vous qui voyez. En gainage. Le dos droit, coup, coup, coup. Attention les dos. Le dos plat, j'allonge la nuque. Oui. Je ne vais pas trop vous casser les pieds aujourd'hui parce que... voilà. Inspirez, expirez, serrez bien le périnée, le ventre. Je souffle, je me serre la ceinture et je serre mon périnée à fond. J'allonge mon dos. Hein. Je tire les coudes vers moi, j'allonge le dos. Voilà, je n'arrondis pas. Hein. Je regarde un peu devant. Pas que ma tête regarde un peu la poitrine, mais pas rondre le dos. Et puis, vous posez les genoux. Vous ramenez les mains un tout petit peu. À quatre pattes et vous poussez les fesses sur les talons, les bras allongés loin devant, étirez, étirez le dos. Les fesses sur les talons, les fesses sur les talons, je suis les jambes pliées, les genoux sont posés au sol, je ne suis pas un chien tête en bas, je suis en pose de l'enfant au verrou. Ah oui, mais l'image elle a bloqué, je ne vois plus. Les genoux posés au sol, les bras allongés vers l'avant. Du coup, maintenant, c'est moi qui ne te vois plus.
Et puis tout doucement, vous revenez. Et vous allez pivoter de l'autre côté pour venir passer sur le coude. Sur le coude, sur le bassin de l'autre côté. Je pose mon coude au sol, je pose le bassin, la main sur la couture du pantalon. J'inspire, j'expire, je décolle le bassin, j'allonge le bras, j'allonge la jambe. Et puis j'inspire, je reviens. Je repousse le sol et je viens étirer le côté. J'inspire, je viens poser mon coude au sol. Je repositionne tout et j'expire, je décolle le bassin. J'inspire, je reviens. Et j'expire, j'étire. Et je décolle. Passez dans le contrôle du mouvement, de la respiration surtout. Et je repose. Et je tire. Et j'expire. Je repose et j'expire. Prenez le temps. Prenez le coude, découvrez le bassin ou étirez, ça dépend où vous en êtes avec la respiration. Et puis là, vous revenez, vous attrapez votre tibia et vous étirez le côté. Relâchez, revenez, passez à quatre pattes. Sur les mains. Ici, vous creusez dans le bas du dos, vous regardez vers l'avant, vous inspirez. Et puis, vous expirez, vous serrez bien le périnée, le ventre, vous basculez votre bassin, vous arrondissez le bas du dos, vous repoussez le sol avec les bras et vous regardez vers le nombril. Et puis, vous inspirez, vous basculez votre bassin, cambrez dans le bas du dos, vous cambrez dans le haut du dos, vous regardez vers l'avant en inspirant. Et puis, vous expirez, vous serrez bien les ventres, vous basculez le bas du dos, vous arrondissez bien le bas du dos, le haut du dos, vous repoussez, vous regardez le nombril. Et puis, vous continuez à mobiliser votre colonne vertébrale. Bras tendu, bras tendu. La tête en dernier. C'est d'abord le bas du dos, la tête en dernier. Ça part d'en bas. Cherchez cette sensation qui part d'en bas de la colonne. Je pousse les fesses, attention Manu, je pousse les fesses vers l'arrière. La tête, c'est en dernier, en dernier, en dernier, en dernier, en dernier. Non, encore en dernier la tête. Mais là, vraiment à la fin. Voilà. Sur la tête, voilà, c'est ça, Françoise. C'est ça, Sophie. La tête, c'est vraiment à la fin. Ouais, Cécile, c'est bon. Ouais. Dernière fois, puis vous revenez donc là. Vous avez fini votre dos rond, vous revenez de plat. Ça, comme ça, vous êtes là. Donc, une fois que vous êtes au plat, vous repoussez bien le sol avec vos bras. Vous serrez bien les ventres, vous allez décoller votre jambe droite. Allongez le buste, décollez le bras gauche. Étirez, restez. Gardez la jambe droite tendue, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Et puis, vous ramenez votre main gauche au sol, mais vous ne bougez pas la jambe droite. Vous retroussez vos orteils du pied gauche. Vous décollez votre genou gauche et vous montez la jambe droite vers le ciel. Vous amenez votre talon gauche vers le sol. Et puis, vous revenez en planche, inspirez. Posez votre genou gauche au sol.
pointez le pied gauche, gardez la jambe droite tendue à nouveau et tirez votre bras gauche vers l'avant en soufflant. Voilà. Ramenez votre main gauche, ramenez votre genou droit. Et là, poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras devant. Inspirez, revenez devant. Les épaules au-dessus des poignets. Serrez le périnée devant. Expirez, restez. Inspirez, fléchissez les coudes en amenant la poitrine près des pouces. Et puis vous soufflez, vous repoussez. Poussez les fesses vers l'arrière. Revenez, inspirez, revenez vers l'avant. Expirez, restez, serrez, périnée, ventre, le dos plat, en planche. Je fléchis, j'inspire, j'amène la poitrine à côté des pouces, je souffle, je repousse. Je pousse les fesses vers l'arrière, les genoux au sol, parce que sinon vous avez les coudes qui s'écartent trop. Je reviens, j'inspire, je reviens vers l'avant, au-dessus des poignets. Je souffle, je reste, j'inspire, je fléchis les bras, les coudes près du corps. Véronique, j'ai des bugs parce que ça fait des pauses, j'arrive pas à te voir tout le temps. Je pousse les fesses vers l'arrière. Voilà, c'est ça. Et puis, je reviens à quatre pattes. Et puis là, vous allez allonger la jambe gauche. Jambe gauche tendue, je serre périnée et ventre. Et puis, j'étire mon bras droit vers l'avant. Je maintiens. Voilà. Lâchez pas, hein, c'est une ventre. Une ventre serrée. Et puis, vous venez poser votre main au sol. Retroussez, gardez votre jambe, la jambe tendue des côtés du sol. Retroussez vos orteils de votre jambe gauche. Non, de votre jambe droite, pardon. Et puis, vous décollez votre genou pour monter la jambe gauche vers le ciel. Poussez, chien tête en bas avec une jambe en l'air. Décollez les genoux, Véronique. Chien tête en bas avec la jambe en l'air. Ah oui, là, l'image, elle a posé. Alors, ok. Et puis, vous revenez en planche. Vous posez votre genou au sol. Le genou de la jambe droite, vous pointez les pieds, vous gardez la jambe gauche tendue, gardez périnée ventre serré et vous allongez votre bras droit. Et puis vous revenez, vous inspirez, vous posez votre main droite, votre genou gauche. Poussez les fesses vers l'arrière, vous allongez les mains un peu plus loin vers l'avant. Et puis vous revenez, vous inspirez, vous amenez les épaules au-dessus des poignets, on refait les mêmes. Je fléchis, les coudes et je souffle, je pousse. Je mets vers l'arrière. Je souffle. Inspire, je fléchis. Je souffle, je pousse. Inspire, je vais derrière. Je souffle, je vais en planche. Je réfléchis. Je souffle, je pousse. Lentement. Essayez d'être régulier dans vos mouvements. Régulière dans vos mouvements. Voilà, c'est ça. Pas sur la tête. Ne hein. Laissez pas partir vers le sol. Les coudes près du corps, si c'est possible. Oui, c'est ça, Monique. C'est exactement ça. Oui, c'est bon, Françoise. Voilà, parfait. Juste quand tu fléchis, je ne vois pas la tête, mais ça va. Non, non, mais vas-y, je l'ai quand même. Voilà, parfait. Ouais, impec. Oui. Et puis, vous revenez vers l'arrière, les genoux, les talons, et vous détendez les bras.
Poser les mains au sol, décoller vos fesses, décoller. Oui, décoller juste vos fesses, retrousser vos orteils et passer un chien tête en bas. Poussez les fesses vers le ciel. Jambes légèrement fléchies, regardez vers les pieds. Serrez le périnée et le ventre, pressez le pouce et l'index au sol. Et puis, vous allongez votre jambe droite pour amener le talon droit vers le sol. La jambe gauche, elle reste pliée, le pied reste posé au sol. Poussez bien avec vos deux bras. Inspirez, fléchissez le genou droit. Soufflez, allongez la jambe gauche. En même temps, vous pressez le pouce et l'index en serrant bien le périnée et le ventre pour chercher presque même à cambrer dans le dos. Quand vous allongez votre jambe. Vous inspirez, vous fléchissez le genou, pardon. Et vous soufflez, vous allongez. Et j'expire, j'allonge. Je change de jambe à chaque fois. Quand j'inspire, je fléchis les deux genoux. Quand j'expire, j'amène mon talon vers le sol. Et puis, vous allez allonger les deux jambes à la fois. Quand vous avez fini d'alterner jambes droite, jambes gauche, vous allongez les deux, vous repoussez le sol, vous restez un chien tête en bas. Vous gardez, vous pressez bien le pouce et l'index au sol. Vous regardez vers les pieds. Et puis, en gardant bien le périnée retiré, vous ramenez vos mains vers les pieds sans dandiner vos fesses. Relâchez la tête vers le sol. Inspirez, soufflez, déroulez votre dos. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Inspirez. Si je suis dans l'image. Pour les deux pieds. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Croisez vos doigts, les deux index vers le ciel pour faire le sapin. Prenez appui sur votre pied gauche pour décoller votre jambe droite sur le côté. Si vous me voyez, parce que moi je ne vous vois pas, je vous vois. Je vous ne bougez pas, restez vous dans la posture face au tapis parce qu'on va repartir vers le bas. Restez face au tapis. Et puis vous posez votre pied droit. Vous inspirez, vous expirez, vous écartez les bras par le côté. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Inspirez. Expirez, enroulez votre dos, le menton vers le sternum, j'enroule le long du dos pour amener la tête vers le sol. Jambes tendues ou jambes fléchies si vous avez mal au dos. Inspirez, avancez avec vos mains vers l'avant. Expirez, restez en planche. Inspirez. Expirez, restez. Et puis à nouveau, poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Pressez le pouce et l'index. Et puis vous inspirez, vous ramenez vos mains dans les pieds sans dandiner vos fesses. Vous expirez, vous déroulez votre dos. Vous inspirez, vous montez les bras vers le ciel. Croisez les doigts, les index vers le ciel, étirez-vous, appuyez-vous sur votre pied droit pour décoller la jambe gauche, de l'autre côté, sur le côté. Et puis vous ramenez le pied, vous posez, vous inspirez, vous expirez, vous écartez les bras par le côté. Vous inspirez, vous restez. Et puis vous expirez, vous enroulez votre dos, le sommet du crâne vers le sol. Vous enroulez. Vous inspirez, vous avancez vos mains vers l'avant. Vous venez en planche. Vous restez en planche. Inspirez, restez. Et puis vous inspirez. Vous soufflez, vous poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Voilà, c'est ça. Oui, là, c'est ça, Manu. Le dos.
Vous inspirez, en expirant, vous ramenez vos mains vers les pieds. Vous expirez, vous déroulez votre dos. Vous inspirez, vous montez les bras par le côté. Croisez les doigts, les deux index vers le ciel, vous décollez votre jambe droite. Vous restez un tout petit peu, une ou deux respirations. Avec le périnée le ventre serré, la jambe droite décollée sur le côté. Et puis, vous ramenez votre pied droit au sol, vous rééquilibrez, vous allongez bien les bras. Restez une ou deux respirations en étirant bien les bras vers le ciel. L'index monte, monte. Gardez le périnée le ventre serré. Et vous inspirez. À l'expiration, vous écartez les bras par le côté. Inspirez, restez. Expirez, enroulez votre tête, enroulez votre dos vers le sol. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Expirez, restez. Une respiration en planche. J'inspire, j'expire. Et puis, vous expirez, vous poussez les fesses vers le ciel. Penchez la tête en bas. Inspirez, ramenez vos mains vers les pieds sans dandiner les fesses. Expirez, déroulez votre dos. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Croisez les doigts, les deux ailes vers le ciel, étirez-vous, pressez le pied droit au sol pour décoller la jambe gauche. Maintenez, étirez les bras vers le ciel, les index vers le ciel, la jambe gauche vers le sol. Serrez le périnée ventre, maintenez l'équilibre sur votre pied droit. Et puis, vous ramenez le pied, inspirez, étirez à nouveau vers le ciel. Et puis, relâchez vos bras, écartez les bras par le côté, expirez, amenez les bras le long du corps. Inspirez, expirez, enroulez votre dos. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Expirez, restez en planche. Et puis là, vous mettez les pieds, largeur de bassin. Et vous allez pivoter les deux pieds sur le côté pour pouvoir décoller le bras, monter le bras vers le ciel, passer sur la tranche. Donc, si je tourne mes pieds vers la droite, je décolle. Voilà, c'est ça, Véronique, c'est bon. Et puis, vous inspirez, vous revenez dans l'axe, en planche. Et vous expirez, vous changez de côté. Vous inspirez, vous revenez en planche. Vous expirez, vous restez. Et puis, vous poussez les fesses vers le ciel. Chien de pomme. Vous ramenez les mains dans les pieds. Vous expirez, vous déroulez votre dos. Relâchez vos épaules et restez. Montez les bras vers le ciel. Et là, vous allez vous appuyer sur votre pied gauche pour décoller votre pied droit, fléchir le genou droit. Et avec votre main droite, vous venez chercher le pied droit. Alignez vos deux genoux, resserrez côté bassin et tirez bien le bras gauche vers le ciel. Montez. Descendez le buste vers l'avant avec le talon droit qui reste contre la fesse. Et montez votre bras gauche. Gardez le talon droit contre la fesse. Et puis, vous revenez dans l'axe. Et là, vous allez regarder un point fixe au sol. Et tout doucement, en gardant le talon droit contre la fesse, essayez, mettez l'intention d'aller avec votre main gauche, toucher le sol. Ça touche ou ça ne touche pas, vous fléchissez. Et vous montez votre genou droit vers le ciel, si c'est possible.
en gardant le talon droit contre la fesse. Et puis, vous regardez un petit peu vers l'avant, vos mains au nord des pas, vous essayez de ramener, revenir, décoller votre bras gauche, droit, je peux vous aider, monter le bras vers le ciel, revenir le bras vers le plafond, les deux genoux alignés. Et puis, comme vous êtes en super forme, vous, et qu'on déconfine, on va le faire une deuxième fois. J'inspire, j'expire, je descends vers le sol. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, ben vous mettez l'intention, ça sera possible un jour. Ou pas, des trucs qu'on arrive à faire et d'autres non. Amenez le genou droit vers le ciel. Et puis, vous revenez. Hop là. Et du vent. Dans l'axe. Et puis, vous relâchez votre pied droit, vous posez le pied au sol, vous écartez le bras gauche par le côté, vous détendez, fermez les yeux si vous voulez, récupérez. Il y a des tapis qui bougent. Et puis, vous inspirez, vous montez les deux bras vers le ciel. Appuyez-vous sur le pied droit pour attraper votre pied gauche. On va faire le côté. Deux genoux alignés, le talon gauche contre la fesse. Vous inspirez, vous restez. Vous inclinez légèrement le buste vers l'avant en gardant le talon gauche contre la fesse et le bras droit vers le ciel. Tombez l'avant de la cuisse et s'étirez. Gauche. Revenez dans l'axe inspire. Et puis préparez-vous. Dès que vous êtes prête, vous inspirez, vous soufflez, vous regardez un point fixe au sol, vous descendez vers l'avant. Si vous avez besoin de pied et la jambe, vous le faites. Et vous venez peut-être poser votre main gauche ou droite au sol et amener le genou gauche vers le ciel. Relâchez la tête. Restez. Et puis, dès que vous sentez que c'est le moment, vous décollez votre main du sol, vous ramenez votre genou dans l'axe et vous montez le bras vers le ciel. Gardez bien le talon contre la fesse. Alignez les deux genoux. Et puis, dès que vous vous sentez prête, vous le faites une deuxième fois ou pas, vous voyez. Vous mettez l'intention de le faire, vous l'imaginez dans votre tête sans forcément le faire, c'est possible. La main, montez le genou vers le ciel. Et puis, dès que vous sentez que c'est possible pour vous, vous lâchez votre main. Vous montez le bras haut. Vous alignez vos deux genoux. Vous étirez. Et puis, vous relâchez votre pied, vous posez. Relâchez le bras par le côté. Détendez. Relâchez les épaules. Et puis tranquillement. Les pieds larges dans le bassin, vous allez décoller vos talons. Serrez vos poings, fléchissez les genoux, descendez vers le sol. Là, vous relâchez vers l'avant, vous posez les mains au sol, posez les genoux, pointez les pieds, venez vous asseoir sur le tapis. Le tapis derrière vous, le tapis derrière vous, on va rouler sur le tapis. Ici, vous croisez vos pieds. Vous attrapez vos pieds, on va faire le crabe. Le crabe, vous attrapez vos pieds, les mains à l'extérieur des genoux. Vous regardez votre nombril. Ouais, c'est ça, tu gères, hein, Monique, c'est bon. Ouais. Regardez le nombril, vous soufflez, vous coulez vers l'arrière, vous inspirez, vous revenez vers l'avant. Regardez, vous revenez vers l'avant et vous décroisez vos pieds. Vous soufflez, vous inspirez. Vous décroisez. Vous allez le faire 4 fois, le rouler.
décroiser. Une fois que vous l'avez fait 4 fois, vous revenez, vous allongez vos jambes devant. Vous l'avez fait 4 fois, je vous attends. Vous allongez les jambes. Vous allongez les jambes devant. Vous posez les mains derrière les fesses. Posez les mains derrière. Allongez les bras. Voilà, les mains posées, les jambes tendues. Je serre le périnée, je serre le ventre. Je décolle le bassin, je pousse le bassin vers le ciel. Et puis j'inspire, je pose mon bassin au sol. J'en fais 4 aussi. Les doigts vers les fesses. Hein. Je souffle, je décolle. J'inspire, je reviens. Souffle. J'inspire. Je retiens la descente, mais je fais attention que mes épaules soient loin de mes oreilles quand je descends. Et puis, je reviens. Et puis, vous relâchez. Vous croisez à nouveau. Et on est reparti pour 4 roulades. Je regarde mon nombril, je souffle, je roule. J'inspire, je reviens, je décroise, je souffle, j'inspire, je prends mon temps. Hein. De bien sentir le rouler. Et puis je repars. Ensuite, les jambes allongées. Et tout ça 4 fois. Donc là, on est à la deuxième. Entendu. Vous y êtes, hein. Talons au sol, prenez le temps. Soufflez, décollez. Inspirez, revenez. Voilà, prenez le temps de le faire. Soufflez, décollez. 4 fois. Je garde périnée, ventre serré. Impec, Monique, c'est ça. Ah, Françoise, elle a disparu. Voilà. Dès que vous avez fait les 4 fois, coucou Françoise, dès que vous avez fait les 4 fois, vous reprenez les roulés, pour ceux qui roulent, ou vous reprenez des équilibres fessiers, vous voyez. Voilà, c'est ça. Impec, Monique. Cherchez bien à sentir le roulé dans le bas du dos. C'est celui-là qui est le plus difficile à attraper. Je vais juste fermer la porte, je reviens. Oh, c'est terrible. Que je m'en aille. Et puis vous relâchez les poignets. C'est marrant, j'ai remis le micro. Hein, peut-être. Je ne crois pas. Déroulez votre dos sur le tapis. Écartez les bras sur le côté. Fléchissez les genoux. Décollez vos pieds, vos genoux, allongez les jambes vers le ciel si c'est possible, sinon vous restez plié. Allongez, serrez le périnée, le ventre, et là, vous allez pivoter les paumes de main vers le sol. Avant de, chaque fois, vous serrez bien le périnée, ventre, vous soufflez, vous amenez les deux jambes, vous savez comment on fait avec le ballon, vers là.
gauche ou à droite, comme vous voulez. Pivoter le bassin. Vous faites comme si vous étiez un métronome. J'inspire, je souffle. Mais je fais attention de ne pas pivoter mon bassin. Ma hanche monte vers le ciel. Quand je pivote, le genou de dessus essaie de dépasser le genou de dessus. Bon, il reste bien aligné, donc ça va travailler un peu plus au niveau des genoux. Vous revenez, vous inspirez. Engagez bien périnée quand vous faites ça. Attends, alors, qu'est-ce qui a disparu là? Ah ben c'est Sophie que je voulais voir, elle a disparu. Ah non, elle est là, Sophie. Voilà. Ouais, c'est ça. Pas trop loin, Sophie. Ouais. Engage vraiment périnée avant quand tu pivotes. Voilà. En essayant de bien garder votre bassin parallèle à vos épaules hein, quand vous pivotez. Le genou, la jambe de dessus dépasse la jambe de dessous, Manu. Les deux talons restent alignés aussi. Aligne tout. Voilà, les deux jambes restent alignées. Les deux talons, les deux genoux. Et quand tu pivotes, tu essaies de faire monter. Attention, Manu, ça vrille un peu tes hanches. Reste dans l'axe. Voilà, dans un sens, ça vrille plus que dans l'autre. Voilà, là, tu es dans l'axe. Voilà. Le genou de dessus, essaie de dépasser le genou de dessous pour que les deux talons restent alignés. Ouais. C'est ça. Regarde là, parce que Sophie a mal au dos. Oui, c'est ça, Cécile. Oui, c'est bon. Vous sentez les obliques? Monte, ramène tes jambes. Ouais, elles étaient parties, Jeannette. Voilà, c'est ça. Pareil, Véronique, attention, ton talon, il se désaxe quand tu vrilles sur le côté. Quand tu vas sur le côté, alors va moins loin peut-être, mais le talon de dessus vient au niveau du talon de dessous. Allez, hop, je pousse avec la hanche. Et c'est avec la hanche que ça va monter. Voilà, c'est ça. Là, c'est bon. Voilà, je pousse. Et puis, vous revenez milieu, posez vos pieds au sol. C'est bon, on va relâcher, Jeannette. Je sens que tu les souffles. Vous allez ramener le genou droit vers la poitrine, allonger la jambe gauche. Écartez votre bras droit sur le côté et amenez le genou droit vers la gauche en tournant la tête à droite. Vous mettez la main gauche sur le genou droit, paume de la main droite vers le ciel. Vous regardez votre main droite. Vous imaginez que sur votre main droite, il y a un poids très très gros. Vous inspirez, vous soufflez et vous essayez de décoller votre main droite, mais le poids est tellement lourd que ce n'est pas possible. Et vous y mettez toutes vos forces, vous mettez toutes vos forces dans le bras pour décoller cette main droite, ce bras droit. Mais le poids est tellement lourd que vous n'y arrivez pas. Et vous y allez, vous essayez et vous mettez l'intention de décoller. Et puis, vous relâchez la contraction. Gardez le genou droit vers la gauche, peu importe la jambe. Et puis, vous ramenez votre genou droit dans l'axe. Ramenez le genou droit, ramenez le genou gauche. Allongez votre jambe gauche. Ramenez bien le genou gauche vers la poitrine, écartez le bras gauche sur le côté et amenez votre genou gauche vers la droite. Paume de la main gauche vers le ciel, regardez vers la gauche, vous inspirez et en soufflant, vous essayez de décoller votre bras gauche, mais vous avez un poids dans la main gauche qui empêche de soulever le bras. Et vous essayez de le soulever, ce poids, mais il est très très haut.
Et puis, vous relâchez la contraction. Restez. Vous ramenez votre genou gauche. Vous ramenez le genou gauche vers la poitrine. Vous ramenez le genou droit vers la poitrine. Passez les mains à l'intérieur des genoux. Vous écartez vos genoux de chaque côté pour étirer l'intérieur des genoux. Et puis, vous montez les pieds vers le ciel. Vous passez les bras à l'intérieur des jambes pour venir attraper l'intérieur des pieds. Jambes pliées. Les genoux vers le sol. Vous posez le bassin au sol, parce que des fois, il peut se décoller. Hop, vous le posez. Fléchissez les genoux, les chevilles au-dessus des genoux. Vous pressez vos genoux dans le sol pour faire le bébé heureux. Vous pressez pour sentir les adducteurs. Et puis ensuite, il y en a déjà qui ont commencé. Vous pouvez rouler à droite et à gauche pour masser le longissimus, le muscle, les deux muscles là qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale, les masses musculaires, vous roulez à droite, vous roulez à gauche, et vous essayez de garder votre bassin au sol pour un peu plus sentir les adducteurs se contracter, s'étirer, des bêtises. Mais pas trop loin, Sophie, juste le long de la colonne. Le longissimus, c'est la partie charnue qui est de chaque côté de la colonne vertébrale, de chaque côté des épineuses. Oui, c'est ça. Voilà, je roule à droite, je roule à gauche, juste le long. En même temps, j'étire la nuque, hein, je ne monte pas le menton par le ciel, j'étire. Et puis, vous revenez au milieu, vous restez dans la posture. Et peut-être, pour celles qui ont envie de se faire plaisir, vous allongez vos jambes si vous en avez envie, ou vous restez. Si vous voulez, vous pouvez allonger. En gardant le sacrum posé au sol. Voilà, sans décoller les fesses. Ça tombe, ça tombe, ça tombe pas, ça tombe pas. Puis vous fléchissez vos genoux, vous passez vos mains sur les pieds, juste au niveau des orteils. Vous ramenez les jambes largeur de bassin. Et puis peut-être vous pouvez allonger vos jambes. Bon, là, c'est pareil, ça allonge, les jambes serrées, la jambe de bassin, ça marche pas. J'allonge la nuque, j'essaie de poser mes omoplates au sol, ça dépend de la souplesse derrière les cuisses, derrière les mollets. On n'est pas tous pareils. Et, regarde, parce que là, du coup, j'ai plus Véronique de ce côté. Ouais, c'est ça, mais là. C'est bon, tu as tout compris, Véronique, c'est ça. J'essaie de poser mon bassin au sol. Comme on s'y veut. Et puis, vous relâchez les pieds, vous fléchissez vos genoux, vous mettez les mains sur les genoux, vous allongez la nuque, vous restez un petit peu. Posez un pied après l'autre au sol. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez par le nez. Expirez par le nez ou par la bouche. Et puis, vous faites glisser une jambe après l'autre au sol. Relâchez vos jambes. Si vous avez mal au dos, gardez les jambes pliées. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Alors là, vous le faites jambes pliées ou jambes tendues. Tirez le péril, le ventre et vous soufflez, vous amenez les bras vers l'arrière. En essayant de ne pas cambrer dans le bas du dos. Étirez vos bras, les orteils vers le ciel, étirez vos jambes. En serrant le péril et le ventre, étirez. Et en essayant de plaquer tout le dos sur le sol. Essayez de plaquer le dos au sol, même plaquer le bas du dos. Si c'est possible. Allez, les bras étirés vers l'arrière.
Les jambes sont soit pliées, les pieds posés au sol, soit allongés sur le sol. Ça dépend de votre dos. Si vous avez mal au dos, les jambes pliées. Si vous n'avez pas mal au dos, les jambes allongées. Méfie-toi, Sophie, quand même. Ah oui, non, ça va, t'es bien placée. Voilà, là, vous sentez les épaules s'étirer. Et puis, vous allez faire glisser les bras par le côté pour les ramener le long du corps et détendre vos jambes. Alors, pour celles qui veulent faire la relaxation, je vais la mettre. Pour celles qui ne veulent pas la faire ou qui ont des occupations, vous pouvez passer sur le côté. Je remets le micro. Hop. Hop, je réactive. Bon, mais on peut féliciter Véronique parce qu'elle a fait tout le cours sans lumière. Sans lumière. Bravo. Tu te vois là maintenant? Non, rien du tout. Prochain cours, je le fais dans l'entrée de la maison, à côté de ma box. On verra si ça va mieux. Voilà. Oui, voilà. En tout cas, félicitations parce que tu as tout bien fait. Eh bien, merci pour tes explications aussi. Bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Bonne journée à tous aussi. Merci, au revoir. Donc ce soir 18h30 pour celles qui veulent les ballons. Oui. Ah oui, il faut que je pense. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire à 18h30? C'est pas grave. Hein. Vous me rappelez puis je vous. On prendra le rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire, Martine? 18h30, en fait, pour celles qui vont faire les cours de ballon. Bon, les cours de ballon, le mardi soir, j'en ai rajouté un cours de posture à bol. On vend les ballons de la salle à 8 euros. Et ce soir, à 18h30, tu peux venir en récupérer un si tu veux. Mais si tu n'es pas disponible, on verra un autre jour. Mais à partir de demain, les cours de ballon reprennent à 19h15. Tu le donnes où, ton cours? Sur Zoom. Que sur vous. Oui, bon, j'y arriverai. Très bien. À bientôt. Ah, oh, ben tiens, pour le déconfinement, ça vous dit à bientôt. Les temps intuitifs. C'est bien les temps aujourd'hui, non? Parce qu'il y a des états partout. C'est bon. Ça vous va les temps intuitifs? Oui, très bien. Allez, bonne relaxation. Merci, bonne journée. Au revoir. À ce soir.